Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Le père Rena restera toujours prêtre. Il va falloir faire quelque chose. Il faut réunir d'autres victimes. Et j'attends depuis toujours ce moment que je puisse enfin tout raconter moi aussi. Est-ce que vous voulez porter plainte? Ouais. Mais pourquoi tu fais tout ça, Baba? Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus.